Donc, l'oreille pigeonnée est démontée, donc je laisse le vis rester dessus. Je prends un bout de chambre de vélo, tout le temps, je cherche un stylo. Je mesure la largeur, bon, déjà je fais une coupe de vélo plus haute. Voilà. La largeur du rail Picatinny. C'est ça. Hop. Et je découpe. La chambre du vélo. Voilà. On enquille le bout. Comme ça. Et là, il faut tirer. Comment là? C'est le plus dur de l'opération. Voilà, il faut retirer le tournevis une fois qu'il est là. C'est ma nuit. Derrière, on fait trois trous. Moi, je les avais fait à l'avance, mais on peut les faire après. C'est pareil. La méthode marche. C'est pour que le vis puisse sortir par là. Donc, je vais un peu décaler. Ah. C'est aussi bête que ça. On va pas y a plus qu'à mettre. On va mettre le rail, alors on positionne. Encore sur la vis. Tac, 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 que ce soit à voilà. Là, on se situe du milieu. On visse. Et c'est bon. À partir du moment où je suis du milieu, les tiers sur les autres, c'est plus facile. Tac. Tac. Et on retrouve. Et maintenant, c'est fini. Il n'y a plus qu'à insérer une cartouche. C'est ça. Tac. Une. Deux. Hop. Et donc, ici, ça va. Tac. 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 Un double de 5. Un double de 5. On peut même en mettre 6. Hop, voilà. Pourquoi pas plus? Parce que si j'en mets plus, la dernière soulève le caoutchouc et là c'est moins bien fixé. Voilà. Alors que si je n'ai pas la première là et là, le caoutchouc fixe bien les cartouches. Voilà, c'est tout.